Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va regarder un petit tutoriel sur la mise en œuvre des interfaces aux machines, qui sont des dispositifs qu'on peut retrouver bien évidemment dans l'industrie d'automation et qui permettent de commander et de visualiser les processus industriels. Alors, pour ceux qui suivent cette vidéo pour la première fois, je souhaiterais préciser que sur cette chaîne, on parle de tout ce qui est automatisme industriel. Tout ce qui touche au contrôle, commande, à l'instrumentation, à la supervision des procédés. On a déjà diffusé pas mal de vidéos depuis déjà un certain temps. On a parlé du langage FBD, de la différence entre les DCS, les API et les DCS hybrides, comment programmer un GraphSet en ladder, la programmation des pompes en fonctionnement Nomasugoo, comment traiter les entrées analogiques à la fois sur les automates Siemens comme sur les automates Schneider, comment programmer une vanne de sécurité sur automate Triconex. La différence entre Function Block et FBFC CMS, la prise en main d'Aveva Plan SCADA 2020 release 2. Donc, il y a pas mal de sujets techniques de niveau assez professionnel. Ceux qui sont intéressés par les automatismes, je vous encourage vraiment à prendre votre temps pour parcourir la chaîne et vous améliorer vos connaissances, vous informer, vous tenir à la veille technologique sur tout ce qui concerne le contrôle commande. Alors aujourd'hui, on va parler du traitement des. On va regarder rapidement comment on peut mettre en œuvre une interface en machine, notamment dans la technologie Siemens. Donc Siemens, vous savez déjà, il y a pas mal de vidéos qui ont été faites sur cette chaîne. L'environnement le plus actualisé pour l'instant, c'était à Portail. Il y a plusieurs versions. Ici, on a un programme, on va le parcourir rapidement. C'est un programme qui fait quoi? Qui fait le traitement d'un moteur, hein. On a un moteur qu'on peut démarrer si on a le bouton marche, ou bien on peut l'arrêter. Il y a le traitement du défaut. Si le moteur passe en défaut, et automatiquement il est arrêté. Et donc on a programmé cette logique-là dans l'automate. Il s'agit ici d'un S7500. On va regarder la configuration matérielle. Dans la configuration matérielle, on a donc une station S7500 avec des modules d'entrée-sortie. Donc, le but de cette manip, c'est de rajouter une interface aux machines à ce projet et de développer, déployer les vues et de regarder ensemble quelles sont les différentes étapes auxquelles on peut avoir affaire quand il s'agit de mettre en œuvre une interface aux machines dans un environnement Siemens. Donc, je vais rajouter un appareil. Il faut cliquer sur rajouter un appareil. On peut le faire depuis la vue du projet ou depuis la vue du portail. Et donc, là, je suis sur la vue projet. Je peux revenir sur la vue du portail. Au niveau de la vue du portail, je clique sur Appareil et réseau, je clique sur Ajouter un appareil. Et là, j'ai donc un catalogue qui s'ouvre réparti en trois grands dossiers. Le premier dossier, c'est celui des contrôleurs, le second des HMI, le dernier des systèmes de supervision de type PC. Alors, dans notre cas, on a dit qu'on va traiter des HMI. On va donc prendre un HMI, on va entrer dans la gamme Comfort Panel et on va choisir certainement un écran. On va prendre un écran, disons, de 9 pouces, par exemple. On va prendre le TP900 Comfort 9 pouces. Donc, c'est un écran 9 pouces. Hein, et on va essayer donc de le configurer. Alors, par défaut, vous avez cette option, lancer l'assistant d'appareil. Okay. Vous avez la possibilité de cocher ou désactiver cette option. L'avantage quand on la coche, c'est que on peut faire un ensemble de pré-réglages au niveau du pupitre hein, pour ceux qui ne sont pas très familiers. Ce sont des étapes qui peuvent vous simplifier la configuration. Donc, on va laisser activer dans le cadre de ce tuto. Ensuite, quand vous allez donc cliquer sur le bouton Ajouter pour ajouter l'appareil, l'assistant d'appareil doit normalement se lancer. Et vous allez passer au travers de plusieurs étapes pour définir les différentes fonctionnalités que vous avez dans votre application. Donc, il y a des écrans, modèles, il y a pas mal d'informations. Le plus important dans cette assistance, c'est de pouvoir justement définir la liaison entre l'automate et le pupitre. Ici, vous voyez, on a la possibilité de sélectionner un API. Donc, si je clique sur la flèche, il trouve dans mon projet que j'ai un API qui est UCP 1713. Donc, je vais la sélectionner, bien évidemment. Et l'avantage d'avoir un environnement intégré, c'est que il m'a proposé immédiatement l'interface qui s'y est la mieux pour communiquer entre ma CPU et mon pupitre. Donc, je peux aller à la page suivante où il me demande quel type de navigation je veux. Est-ce que je veux des en-tête, je veux des logos, je veux la date et l'heure, est-ce que je veux le titre de la vue
ou je veux plutôt la zone de navigation. Donc, moi, je vais prendre le titre de la vue, par exemple, et je n'aurai pas de logo. Voilà, ou alors on peut rajouter le logo, hein. On va rajouter le logo. On va prendre le logo de la société CSI Automation, par exemple. On va prendre notre logo. Voilà. Ensuite, on vient sur suivant. Est-ce que je veux une fenêtre d'alarme, la fenêtre d'alarme, ou je veux une ligne supérieure d'alarme, ou je veux une ligne d'alarme inférieure, ou je veux toute la fenêtre entière? Ça, c'est vous qui décidez. Là, je vais par exemple prendre la ligne d'alarme inférieure. Je vais aller sur suivant. Là, j'ai la possibilité de rajouter des vues. Hein, donc, pour l'instant, bon, dans ce tutoriel, vraiment, on va créer juste une seule vue. Donc, je ne vais pas, mais vous avez la possibilité de cliquer ici sur le plus pour rajouter des vues. Ensuite, est-ce que je veux la vue racine, est-ce que je veux la vue système, etc. Donc, tout ça, vous choisissez en fonction de ce que vous avez envie de faire. Bien évidemment, c'est les options qu'on peut rajouter plus tard dans l'environnement, dans la vue projet. Est-ce qu'il faut des boutons système? Est-ce qu'il faut les mettre? Moi, pour l'instant, les boutons quitter, langue, vue initiale et tout, pour l'instant, moi, je n'en ai pas besoin. Donc, je le décoche. Et là, je suis à la fin de l'assistant. Donc, quand je clique sur terminer, on verra donc dans le projet, au niveau de la configuration matérielle déjà, l'impact que cette manipulation a pu avoir. Et le premier impact à vérifier, c'est au niveau des liaisons réseau. Donc, il faudrait qu'on aille dans la configuration matérielle pour vérifier, bien évidemment, que le pupitre est en communication avec l'automate. Donc, je vais fermer les fenêtres qui ne me servent à rien. Là, je vais me positionner sur la vue du réseau. Et vous allez vous rendre compte que j'ai une IHM en liaison sur un réseau Profinet IE1. Donc, j'ai une IHM en réseau avec mon pupitre. Alors, la deuxième modification, c'est que désormais, dans mon projet, j'ai un dossier qui s'est créé, l'IHM TP900 Confort. Et si j'ouvre la fenêtre, l'ensemble des connexions, il m'a rajouté automatiquement une liaison, voilà, avec mon automate. C'est rajouté, déjà configuré. Si votre automate a un mot de passe, vous pouvez spécifier le mot de passe d'accès ici. C'est assez simple. Donc, maintenant, on va passer à la configuration. Donc, comme on a un moteur et une mesure analogique à visualiser, je vous propose directement d'aller dans la partie variable IHM et de cliquer sur afficher toutes les variables. Donc là, j'ai l'ensemble des variables. Voilà. Bon, l'ensemble des variables, je vais rajouter la première variable. Je vais rajouter par exemple, je vais créer une variable qui s'appelle état de marche. Ce sera l'état de marche de mon moteur. Donc, ici, ce ne sera pas une variable interne, à la différence de la première variable. Je vais vouloir venir ici sélectionner une variable de liaison. Donc, je vais replier cette fenêtre. Et ici, au niveau de la variable API, je viens dans mes variables API sur mon automate et je sélectionne l'état de marche. Donc, en faisant ce lien, si je change l'adresse de l'état de marche dans le code automate, ça se mettra automatiquement dans le projet IHM. Par contre, vous avez la possibilité aussi de travailler en adressage absolu. Donc, si vous êtes en adressage absolu, par contre, il faudrait vous assurer que toutes les modifications qui sont faites dans le programme automate sont répercutées dans la partie IHM. Alors, j'avais aussi dans ce programme, on va regarder ensemble, j'avais une configuration sur des alarmes ou des états. Donc, c'est plus des événements. Donc, ça se gère dans le MW40. Hein. Donc, état défaut, état marche. Je vais d'ailleurs créer cette variable-là. C'est une variable API. Voilà, on va la créer. On va appeler mon état alarme et on va dire qu'on est dans le MW40. Voilà. Donc, je suis dans le MW40. J'ai deux états, hein, l'état marche et l'état défaut. Et je vais rajouter cette variable ici. Donc, mon état. Par contre, ici,
je dois pointer vers ma variable. Voilà. Et le type de données s'est mis à jour automatiquement à un nom à partir de bool à integer. Ensuite, j'ai l'état marche. J'ai IHM marche. Et j'ai IHM arrêt. Voilà les variables qui sont dans mon application. Donc, IHM marche. Je vais récupérer cette variable dans mon programme automate. Et arrêt IHM, pareil, hein. Après, pour être conforme, il vaut mieux mettre les mêmes. Donc, je vais remplacer ici par IHMH par marche IHM. Et ici, on va avoir plutôt arrêt IHM. Et on va rajouter une mesure analogique. Donc, la mesure de niveau. Alors, la mesure de niveau ici, on va la récupérer là. C'est un réel, hein. Donc là, je viens de créer des variables qui sont justement dans mon automate et c'est avec cette table d'échange que l'automate et mon pupitre vont communiquer. Donc une fois que c'est fait, je viens donc dans les vues au niveau de mon IHM. Je viens dans les vues. Moi, je peux directement travailler à la racine. Donc je vous ai dit, j'ai pas. C'est un projet, vraiment, c'est un tutoriel. Donc je vais pas trop me prendre la tête à créer des vues spécifiques, etc. Ceux qui veulent le faire, c'est facile de créer une vue. Donc, le but n'est pas de rentrer dans les fonctions d'état avancées, c'est vraiment de regarder en un temps très court les différentes étapes pour mettre en œuvre une application de supervision. Donc, maintenant que j'ai cet écran qui me représente mon IHM, je vais rajouter certainement un symbole de moteur. Donc, je dois prendre ici, au niveau des éléments, vous voyez sur cette fenêtre ici, je récupère ça, cette image-là. Ça, c'est un champ. Oui, excuse, donc pour moi, il faut prendre l'élément qui est, enfin, il faut prendre l'élément qui est comme un livre avec des symboles. Quand vous le positionnez, ça vous met un symbole, hein. Là, par exemple, c'est ma pompe. OK. Bon, maintenant, je peux décider de faire une animation, pas sur tout le symbole, hein. Bon, je peux décider d'avoir un voyant là, qui va me permettre d'avoir les états. Donc, quand je double-clique ici, je viens au niveau des animations. Je vais prendre, j'ai la possibilité d'avoir des animations de représentation, c'est-à-dire dynamiser les couleurs et le clignotement, et des animations pour dynamiser la visibilité. Alors ici, je vais prendre les couleurs et je vais souhaiter utiliser l'état marche en disant que j'ai deux états. Si je suis à 0, je peux prendre une couleur blanche, par exemple. Si je suis à 1, je peux décider de prendre une couleur verte. Pour dire que mon moteur il fonctionne. Bon, je peux prendre ça comme ça. Et je viens positionner ça exactement sur mon symbole, hein. Bon, après, le reste c'est le dessin. On ne va pas non plus expliquer comment dessiner. Ensuite, il me faudra cet élément, vous savez, il me faudra cet élément ici. Je vais par exemple indiquer une ligne par une ligne rouge, hein, qui va clignoter. Donc, ici, je vais me positionner, prendre un trait de couleur rouge. OK. Donc, je vais le mettre là. Et ici, on va jouer plutôt sur des animations de visibilité. Pour se dire que si j'ai le défaut, bon, j'espère que j'ai rajouté. Non, je dois rajouter le défaut, hein, parce que actuellement, dans mes variables, je n'ai pas le défaut. Donc, je rajoute un défaut ici. Et donc là, je dois pointer vers le défaut, état défaut. Et puis, on devait même rajouter le compteur du nombre de démarrages, hein. Donc, le compteur,
On va prendre ici le compteur et le reset compteur. Reset compteur aussi, c'est un bouton. Donc, je vais prendre le reset compteur. Voilà. Donc, ici, je reviens sur ma vue. Donc, je me dis, ce truc, il va être fonction de l'état du défaut. Alors, l'état du défaut, et je vais le faire clignoter. Je vais le faire clignoter quand j'ai le défaut 1 à 1. Et je vais rajouter une nouvelle représentation de visibilité, une nouvelle animation de visibilité, pour dire que ce n'est que quand j'ai le défaut qui est à 1 que je suis visible. Donc, défaut, c'est la variable, plage 1 à 1, c'est là que je suis visible. Voilà. Ou je peux décider que si je suis à 0, je suis invisible. Voilà. Donc, je prends ça, je recopie, je colle, CTRL-C, CTRL-V, et je peux facilement utiliser des effets de rotation. Voilà. Donc, là, j'ai mon deuxième. C'est comme une croix hein, qui va symboliser le fait que le moteur soit en défaut. Je ne sais pas pourquoi j'ai. Voilà. Donc là, je vais faire descendre un peu. Mais voilà. Alors, une fois que c'est fait, on va rajouter maintenant des boutons. Je vais prendre le premier bouton ici. Ce sera la marche. Je peux rajouter du texte. Hein, donc, je peux prendre, si je veux faire quelque chose de beau. Donc, ici. Et je vais rajouter un texte blanc. Voilà, donc ici, on va prendre une couleur de texte. On va par exemple prendre le texte blanc. On va le positionner là. Là, on va prendre un fond qui est plutôt bleu. Si on veut, on veut faire un peu quelque chose de beau. Voilà. C'est l'esthétique. Hein? C'est les femmes, normalement, quand elles font des IHM. Elles aiment bien mettre l'accent sur ces éléments. Alors ici, je vais supprimer parce que le premier bouton, je ne l'ai pas encore configuré. Donc le premier bouton, c'est la marche. Le premier bouton, c'est la marche. Je vais donc configurer un événement. Alors j'ai la possibilité de presser, relâcher, activer, désactiver, etc. Donc si je viens presser, je vais prendre une fonction qui va... Une fonction d'édition de bits. Hein. Donc, dans les fonctions, vous avez le traitement des bits. Et je vais dire que je vais mettre à 1 un bit. Et le bit ici, c'est l'IHM, marche IHM. OK. Ensuite, quand je vais relâcher, je vais prendre une fonction de remise à 0 du même bit. Hein. Donc, c'est l'état de marche. Parce qu'on a juste besoin dans le programme d'un front montant. Donc, je peux prendre le même bouton que je rajoute là. C'est l'arrêt, c'est le même principe. Et au niveau de l'arrêt, je vais venir changer plutôt la variable. Donc, excusez-moi, la première fois, je devais prendre plutôt marche IHM ici, sur le reset. Voilà. Donc, maintenant, au niveau de l'arrêt, je vais plutôt faire marche A et HM quand on relâche et quand on presse A et HM. Donc là,
Je veux excuser, je vais fermer toutes les fenêtres qui ne me servent à rien pour l'instant pour ne pas ralentir mon PC. Bon, là, j'ai les commandes, je peux les monter un peu. Et puis, je vais rajouter le reset. Rappelez-vous qu'on avait le reset compteur. Dans le reset compteur, dans les propriétés, je serai ici plutôt à faire un reset CPTR. Je vais jouer sur la variable reset CPTR. Maintenant qu'on a fait ça, je vais rajouter donc maintenant le champ du compteur. Donc le compteur ici, on va dire, on va le mettre là en bas pour dire nombre de démarrages. Nombre de démarrages. Donc ça va s'afficher là. Hein. Et ce que je prends là, dans les propriétés, il va falloir me définir la variable qui est liée à là. C'est la variable compteur. Je vais rester en décimale. J'aurai une représentation. Supposons que je vais m'arrêter à 99. Et je suis uniquement en sortie. Parce que je n'ai pas une consigne qui va là. Voilà, c'est pas une consigne. Maintenant, est-ce que j'ai besoin du signe? Non. Le compteur, il est positif. Donc, pour moi, je vais prendre, voilà, le 99 au lieu du S99. Après, vous pouvez modifier les bordures, les épaisseurs des traits, etc. Donc, la deuxième chose à faire. C'est de rajouter la mesure de niveau. Donc je vais pousser un peu ces éléments-là. Je vais donc reprendre mon symbole. Et là, au niveau des propriétés, on va prendre un réservoir. Donc je ne vais pas prendre. Je vais prendre un réservoir. Il faut trouver la catégorie qui correspond à ce que vous êtes en train de rechercher. Donc, si je viens dans équipement industriel, j'ai déjà des choses là. Bon, mais c'est pas ça que je veux. Industrie chimique, pareil, hein, j'ai des choses. Est-ce que je prends un truc dans l'industrie chimique? Non plus. Industrie diverse, non plus. Mélangeur, voilà. Production, chaleur, refroidissement, pompe. Tube, traitement des matières, unité de commande, soufflante, préparation et épuration de l'eau. Cuve. Voilà, je peux prendre une cuve, hein. Prendre cette cuve comme ça. Ensuite, on va donc choisir un bar graph. On va prendre un bar graph là qu'on va mettre. Voilà, on va l'ajuster parce qu'il est très gros. Donc, je vais l'ajuster comme ça. Je vais le positionner là. Je vais agrandir un peu mon symbole. Voilà. Alors, au niveau de mon bar graph, valeur de process, c'est ma mesure de niveau. Ensuite, je vais bien de 0 à 100. Représentation, est-ce que j'ai les repères? Oui. Type de bordure, je n'ai pas besoin d'une bordure aussi importante. Donc, je vais la réduire un peu. Style double ligne. OK. Les échelles, la légende. Donc, vous mettez tout ce que vous voulez, les plages, etc. Ensuite, je peux décider de rajouter en plus de ça une mesure en pourcentage. Ici. Où je vais dire que ma variable ici, c'est
à mesure des niveaux. C'est une sortie. Et je vais être plutôt sur. J'ai pas besoin de signes. J'ai pas besoin non plus de bordure. Voilà. L'arrière-plan, je peux décider d'avoir sa grille. Et je vais mettre mon texte en vert ou en bleu. Voilà. Donc, là. J'ai presque terminé. Il me manque la configuration de mes alarmes. Alors, comment configurer les alarmes? Je reviens dans mon projet, mon navigateur projet. Je viens sur les alarmes IHM et je vais rajouter une alarme quand la pompe a démarré, une deuxième alarme. Alors, pompe marche. Le texte d'alarme, c'est pompe en marche. Deuxième, c'est défaut. Pompe en défaut. Est-ce que j'ai des classes différentes? Le premier, pompe en marche, je n'ai pas besoin d'acquittement parce que c'est juste une indication. Le deuxième, pompe en défaut, j'ai besoin d'un acquittement. Et la variable ici, il faut choisir donc la fameuse variable, le mot état. Pareil ici, il faut choisir le mot état. Alors, comment on fait? Il y a un numéro de bit qu'il faut spécifier. Ici, donc, je dois spécifier mon bit de déclenchement. 0, 1. Donc, tout à l'heure, j'étais à 0 parce que j'avais du rouge parce que j'avais le même bit qui déclenchait. Donc, ici, aucune variable d'acquittement, aucune variable d'acquittement. Voilà. 0, 1. Est-ce que ça fait l'affaire? On va regarder, hein. Donc, j'enregistre tout ça et je vais compiler mon projet. Donc, je fais un clic droit, compiler le matériel. D'abord, pour le pupitre, il faut compiler son matériel pour se rassurer qu'il n'y a pas d'erreur. Donc, opération terminée, zéro erreur d'investissement. Maintenant, je vais compiler le logiciel. Ensuite, au niveau de mon automate, je vais charger matériel, logiciel et modification parce que rappelez-vous que on avait justement des modifications de la configuration matérielle pour permettre à l'automate d'établir une communication. Et donc, le fait d'avoir fait cette modif sur le projet de base, il faut recharger la configuration matérielle, sinon ça ne marchera pas. Alors, actuellement, donc, j'ai rechargé, il m'a demandé de passer l'automate en stop, bien évidemment. Tout ce qui touche à la configuration matérielle, automate non redondant, on n'a pas trop le choix, quel que soit le fabricant, bien évidemment. Au niveau de mon pupitre, j'ai compilé, j'ai pas d'erreur, je peux par contre démarrer ma simulation. Donc, normalement, quand on démarre la simulation, on a la possibilité de voir sur son PC le logiciel, hein. Alors, voilà donc à quoi ressemble mon application. Je suis désolé, mon écran n'est pas très bien configuré. Juste sur un écran de laptop. Voilà, ça aurait mieux marché si j'avais été sur un écran, un double écran, parce que l'écran de mon laptop
est certainement plus petit avec une résolution plus importante que celle du pupitre. Donc, dans le vrai projet, vous aurez quelque chose de plus beau. Voilà. La deuxième chose que je vais dire, c'est que là, on a déjà des valeurs. On a 47%. Donc, si je vais dans mon simulateur là, on peut dire que la mesure passe à 22 000 points. Vous voyez ici, j'ai 79,57. J'ai 79,6. Bien évidemment, j'ai un arrondi et sur le bar graph, c'est marqué 80 parce que c'est tout ce que j'ai configuré. Maintenant, si je fais, je clique, le moteur il en marche. Je clique l'arrêt, il s'arrête. Je clique en marche. L'arrêt, où est le nombre de démarrages? On est déjà à 4. Je clique en marche. Il est en marche. Je clique en arrêt. Il s'arrête. En marche. Il s'arrête. En marche. Il s'arrête. En marche. Voilà. Et en reset compteur, il repasse à 0. Je clique. Il s'arrête. Il s'en marche. Il s'arrête. Donc, là, par contre, on n'a pas configuré le bandeau d'alarme. Je vais revenir dans mon projet Terre Protail. Je vais ouvrir ma vue. Le bandeau d'alarme, il est là, mais je ne peux pas accéder parce qu'il est géré dans un modèle de vue. Donc, je vais prendre le modèle qui a servi pour faire ma vue. C'est ça, c'est ce qui a été défini. Et au niveau de ma fenêtre d'alarme, dans les propriétés, il faudra donc définir qu'est-ce que vous souhaiterez. Alors, ici, est-ce que vous n'êtes que sur des erreurs ou bien vous êtes sur des acknowledgement et no acknowledgement? Donc, si vous ne cochez pas, ça ne marchera pas. Donc, là, je viens de faire une modif. Je vais compiler un logiciel. Je peux arrêter ma simulation ici. Logiciel est compilé. Ensuite, je vais charger dans l'appareil. Je vais repasser en simulation, bien évidemment. Je vais repasser en simulation. Donc là, je me mets en marche. Arrêt, marche, arrêt, marche, arrêt. Donc, j'ai l'impression que ici, on a un problème avec les bits. Bon, si je fais 9, parce que le numéro des bits en fait de déclenchement, ils sont en fait, il y a un problème de, je sais pas comment je vais expliquer ça. Il faudrait que je vous explique ça. Donc, je pense que on va faire l'objet, on va présenter ça dans une autre vidéo, la gestion des alarmes sur IHR. Parce que en fait, dans la position des bits. Vous savez, je vais ouvrir rapidement Excel pour vous montrer. La position des bits, ce n'est pas aussi facile que ça, notamment sur une CC. Donc, vous avez les bits, par exemple, là. Quand on dit qu'on a le MW40, il va intégrer le pourcentage MB40 et le pourcentage MB. 41. Donc ces deux mots sont dans un certain ordre. On a par exemple là le pourcentage MB40, là on a le pourcentage MB41, ici on a 8 bits, là on a 8 bits. Donc il faudrait que vous puissiez savoir justement quand on compte le nombre de bits par rapport à là où
Est-ce que le premier, le mot de poids fort est placé à gauche ou à droite? Bon, c'est des éléments que je pense ça mérite l'intérêt de cette vidéo. Donc, on va tester ça plutôt. On va tester ça plutôt la prochaine fois. Pour l'instant, je peux peut-être tester le défaut. On va regarder ensemble. Est-ce que si j'ai un défaut sur le PSC SIM, il va s'afficher parce que ça faisait partie aussi des éléments hein, qu'il fallait. Il fallait vérifier. Donc là, vous voyez, j'ai bien mon clignotement qui est là. Voilà. J'ai mon défaut qui est représenté. Donc voilà ce que j'avais à dire pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez vu comment utiliser de base les objets de Terra Portail, notamment la partie IHM, configurer la connexion avec le pupille d'automate, etc. Si ce type de vidéo vous a plu, laissez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, partagez massivement à tous ceux qui peuvent être intéressés par. Justement, tout ce qui touche aux touches control commandes, on fait plein de sujets techniques sur cette chaîne. Si vous avez un sujet particulier que vous souhaiteriez qu'on puisse se présenter, n'hésitez pas aussi à le mentionner en commentaire. Merci et à bientôt pour le traitement des alarmes.